Afin d'aider le ministre dans sa réflexion sur l'opportunité d'une enquête publique complète, je me permets d'attirer son attention sur la section 6.2.2, où il est clairement indiqué que les affaires indiennes savaient l'ampleur de l'opération policière qui allait se dérouler le 12 janvier 2004, mais que cette information n'était pas communiquée à la sécurité publique. Est-ce qu'on va enfin connaître tout dans cette affaire? Qui a tiré les ficelles aux affaires indiennes pour que James reste là? Et quels intérêts libéraux étaient protégés? Seule une enquête publique nous le dira, Monsieur le Président.